Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le tirage sentimental du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous bien. On va continuer et terminer les signes sentimentaux. Si vous entendez un petit peu de pluie sur le toit, c'est parce qu'il pleut, c'est rare ici à Tenerife. Donc faut pas trop vous plaindre du bruit, c'est comme ça, je suis désolée, là je peux pas enlever la pluie, je peux pas enlever le bus, je peux pas enlever les avions, parce qu'on me l'a fait remarquer, hein. Et là on entend la pluie, donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a pas de vie aseptisée. Parfois on aimerait effectivement un tirage sans bruit, mais il y a la café, il y a les chats, etc. Et mes collègues c'est la même chose, hein. Donc si vous voulez un studio aseptisé, il faudrait un professionnel, un studio, une caméra, etc., etc. Alors, les tirages amour de novembre 2021, pour qui ce sera aujourd'hui? L'amour pour le mois de novembre. Et il pleut fort, vous devrez l'entendre. Ouh, nous avons les... Oh là 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 là, désolé, ça commence à pleuvoir très très fort. Alors, ça c'est le bélier. C'est le bélier. Alors, on va voir au niveau sentimental, hein, de quoi on va avoir... Comme information pour votre vie sentimentale, bélier, ascendant, bélier, lune en bélier. N'hésitez pas de regarder tout le tirage, c'est pas très long. Il y a plusieurs informations. Alors ici, on va tout de suite regarder avec les anges de l'amour ce qu'ils ont à vous dire. Hein, Kylie, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a peur. Donc vous pouvez regarder votre tirage de novembre général, si vous ne l'avez pas vu aussi, les béliers, hein. Vous pouvez regarder votre tirage de l'automne 2021 avec novembre, décembre. Il y a du sentimental. Donc, si vous voulez voir vos prévisions, allez regarder les tirages dans la playlist. Et n'hésitez pas de vous abonner aux guidances de Shiva. Cliquez la cloche. Donc, s'abonner avec la petite cloche à droite en haut. Ressort les vidéos, ce qui peut nous aider beaucoup. Bien sûr, nous les... Et pour vous, c'est gratuit. Donc, si vous appréciez, avec grand plaisir. Donc, on va commencer... Avoir une énergie pour les béliers ici pour novembre 2021. Quelle énergie pour les béliers en novembre 2021? Regardez aussi votre tirage ascendant et surtout lunaire pour le sentimental. Bélier en novembre 2021, quelle est l'énergie? Bélier, novembre 2021. Là, il y en a une qui veut sortir. Traitez les problèmes familiaux. Donc, je vais en prendre une autre, hein. On va faire, vu qu'il n'y a pas de carte qui a sauté. Traiter les problèmes familiaux, il pourrait y avoir quelques difficultés dans votre couple ou la famille avec les enfants qui peut affecter la relation amoureuse. On nous dit que le pardon est important ici. Ou pardonner au passé ou à quelqu'un pour éviter peut-être une certaine rancœur actuelle. Bélier en novembre, je vais en prendre une comme ça. Donc il y a eu des tirages pour la semaine, vous pouvez les regarder, c'était un très beau tirage je crois pour les béliers. La semaine, cette semaine-là, 25 au 31 octobre, j'ai un message pour chaque signe et les béliers, vous aviez de très très bons messages pour cette semaine. Ouais, il pleut, ça fait drôle. Et vous avez une carte, j'ai bien fait la sortir, l'amour véritable, qui pourrait se pointer, qui pourrait déjà donc commencer cette semaine, plutôt au mois de novembre ou fin novembre, les énergies, ça peut être maintenant, vu que je fais le tirage. Il y aurait la bonne personne, une rencontre possible pour certains de la bonne personne. J'espère que vous allez m'entendre. Parce que là, il pleut vraiment fort, des cordes. Mais ça a du charme. Bélier. Alors, une énergie pour l'amour ici en novembre 2021. Bélier, novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? L'amour véritable, c'est la bonne personne. C'est pas quelqu'un qui veut jouer, qui veut s'amuser ou qui veut juste flirter. C'est vraiment une personne qui vous convient. Alors, on parle de choix que vous aurez à faire avec l'amoureux. D'accord? C'est un peu comme une carte de tarot. L'amoureux, là, il se pose des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Il a reçu un petit papier, peut-être d'une amoureuse ou d'une fille, et il se dit, mais j'ai déjà quelqu'un. Qu'est-ce que je vais faire? Je choisis laquelle? Ou bien, vous aurez... ça peut être pour plusieurs choses. Le choix, donc, entre deux personnes. Le choix de rester célibataire, même si on a des propositions. Le choix de se séparer.
le choix de se mettre avec quelqu'un qui vous séduit. Alors, on va voir un message angélique pour les béliers en amour. Ok, c'est quoi, j'entends? Bélier amour, pour le mois de novembre 2021, quel message pour les béliers en amour, novembre 2021? Bélier amour. Alors, ça s'arrête d'un coup brusque. Alors, on va prendre celle-ci. Vous aurez besoin de réflexion ce mois de novembre. Vous allez être peut-être dans des doutes. Il y a une histoire de pardon, peut-être pour avancer. Il y a une possibilité aussi de faire une bonne rencontre, de vivre déjà la rencontre idéale pour vous, mais il y a des choix à faire. Et on vous dit ici qu'il sera important de méditer parce que ça va vous apporter des réponses. Là, on a quand même ces deux cartes où on se pose pas mal de questions, les béliers. D'accord? La méditation, les moments calmes, les moments plus tranquilles vous permettront de faire les bons choix. Ça, c'est aussi un conseil. Le pardon pour avancer, c'est très important. Parce qu'on nous dit, bénéficie du... Il faut que ta vie amoureuse bénéficie du pardon que tu fais à tes parents. Donc, si vous avez de la colère donc aux parents ou à une ancienne relation, si vous ne l'avez pas fait, vous avez de la colère ou de la rancune sur quelqu'un, ça reste. Et ça peut affecter la relation actuelle. On va voir avec le tarot. Le pardon, c'est vraiment important. Ou se pardonner à soi. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je me dis, bon, je suis désolée, j'ai fait du mal. Je ne sais plus dans quelle énergie vous étiez, les béliers, mais il y a eu pas mal de choses au niveau sentimental dans ces derniers mois. Retrouver un certain équilibre, il me semble aussi. Vous voulez tendre vers cet amour véritable. Vous voulez être plus clair avec les gens. Mais là, on voit qu'il y a un certain doute quand même qui est présent dans ce mois de novembre, à ce que je vois pour le moment. Je vais regarder avec le tarot ce qu'il nous dit. Bélier en amour pour le mois de novembre 2021. Bélier en amour pour le mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers en amour pour le mois de novembre 2021? N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça résonne, si vous avez déjà un message, si ça vous semble probable, un petit merci. Si vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas évident si on fait des tirages sans commentaire. Donc pour moi et mes collègues, un petit message est bienvenu. Merci. Est-ce qu'on fait ces tirages gratuitement? Les béliers pour le mois de novembre, en amour, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour beaucoup, vous êtes effectivement dans une démarche de commencer votre vie amoureuse à zéro. Quelque chose de tout nouveau. Donc, comme si vous aviez terminé un cycle, le fou, hein, au niveau du tarot. On est un petit peu fou parce que ça se dit comme ça dans le jeu. C'est qu'on redémarre, mais on ne sait pas trop où. Voilà, on ne sait pas trop où. On ne sait pas avec qui. On ne sait pas ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut une vie de couple, du célibat, plusieurs relations. Mais pourtant, vous avez quand même quitté quelque chose. On va voir justement ce qu'il y a dans le passé. L'impératrice, étonnant. Ça, pour moi, le passé proche, vous avez quitté une situation qui aurait pu être bénéfique. C'est un petit peu surprenant parce que l'impératrice porte des fruits, une relation porteuse, fructueuse, une maman, il aurait pu avoir une grossesse. Ou en contre, on nous dit, si je le prends en contre, donc en pour, c'est bien de recommencer votre vie amoureuse sur des bonnes bases, recommencer quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas, d'accord? Ça vous apporte le bonheur. Ce qui est plutôt négatif, on va le prendre comme ça, c'est que peut-être vous ferez des choix, alors je ne sais pas, qui ne seront pas constructifs. Le côté de donner la vie de quelque chose qui porte ses fruits ou quelque chose comme ça, ou ça peut nous dire aussi qu'une relation dans ce mois de novembre va pas donner ses fruits, va pas être sur la durée. Vous êtes un petit peu dans ce flou, ce que je ressens. Vous avez pourtant la force, le courage et une certaine persévérance. Donc les béliers, ça c'est sûr, vous l'avez, hein, vous êtes des signes fonceurs.
On nous dit de l'avoir, c'est ce qui va dominer le mois. Peut-être pour régler certains problèmes, c'est comme sorti en premier. Des choses à régler, de la méditation pour trouver des réponses dans un certain flou. Et le pape, bon, on nous dit qu'il y a une certaine connotation spirituelle peut-être à avoir, mais moi je le vois surtout dans ce tirage. Bon, c'est ce que j'avais dit dans une vidéo pour le week-end, que je voyais cette carte un peu comme, vous savez, le dollar américain, hein, la base, le peuple, et l'œil qui voit tout, l'élite. Ici, c'est comme une personne, effectivement, qui... L'œil qui voit tout, qui a des connaissances, qui a une expérience vers laquelle vous allez aller pour demander des conseils. Donc là, la base, la pyramide, ça peut être effectivement le peuple, des gens, vous allez faire une formation ou simplement demander de l'aide à une personne d'expérience, parce que ben, le pape, souvent, elle est représentée, bien sûr, par... cette personne qui a la connaissance, vers qui on va se repentir, ou vers qui vous allez peut-être avoir besoin de repentance, ou besoin de vous confier, hein, parce que voilà, là, ça peut parler peut-être plus à certains. Je demande un pardon, je veux me confier à vous. En tout cas, c'est ça qui sort en réponse pour votre mois de novembre. Demandez un certain pardon. Demander un pardon pour les erreurs qu'on a faites, je viens de le dire tout à l'heure, il est ressorti là. C'est ce que je ressens. Oui, demander un certain pardon, que ce soit à l'église, à la foi, à qui vous croyez, à un homme d'église, à un homme d'expérience. Ce pardon, j'aurais vraiment, je le ressens comme ça en prenant cette carte. Ouais. Donc la notion, elle est là et elle est là. Et ça vous mène peut-être vers une direction un petit peu floue. Donc méditez, prenez du temps pour vous, il n'y a rien d'urgent ce mois de novembre. On va voir ici avec le Line of Love, qu'est-ce qu'on nous dit en amour pour les béliers. Bélier, novembre 2021, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers en amour, novembre 2021. Bélier, amour, novembre 2021. Et ouais, il nous faut un peu de patience. Il vous faut encore patienter. J'ai l'impression que vous êtes dans un entre-deux pour vouloir recommencer quelque chose de différent dans votre vie sentimentale, les béliers. Recommencer sur des bonnes bases. Aller vers l'amour véritable. Ne vous pressez pas. Ce mois, c'est patience et méditation. Patience, méditation. Ne vous pressez pas. Réglez les choses qu'il faut régler. Faites les bons choix, prenez le temps de réfléchir. Bélier en novembre 2021, qu'est-ce qui se passe en amour pour le Bélier en novembre 2021? Que nous dit la coupe? Oui, des petites relations, on va dire des relations qui ne sont pas durables, des choses qui ne sont pas encore claires dans votre vie, ici, hein. Des choses pas très claires. L'attraction, on est attiré par quelques personnes. La lune, c'est soit écoute ton intuition pour voir si c'est ce que tu veux. Cette fois, c'est peut-être sur ça que tu dois te baser, hein, avec la foi aussi. Et soit bien écouter ton cœur, ce que tu veux, ou soit des relations éphémères et pas claires. Bélier, le mois de novembre. En prendre une vu que celle-ci est tombée, je vais la mettre là. Alors, on retrouve une paix, comme une chance. Vous faites vraiment il y a vraiment une notion de compréhension, de fin de cycle en boucle ce qu'il y a à bloquer pour aller vers du positif. C'est des bonnes cartes là. On nous parle de sérénité, hein. Méditez, posez-vous, réfléchissez. La compréhension, se retrouver dans son centre, l'équilibre. Se retrouver dans son centre, la chance. J'ai l'impression que c'est comme un mois de novembre de chance au niveau amoureux pour faire table rase et repartir sur des bonnes bases, repartir sur à zéro dans votre vie sentimentale. De vous retrouver, d'être bien, d'être plus clair avec votre passé, de pardonner. Ok, j'ai fait des erreurs, je me pardonne. De vous libérer d'un poids.
Je sens maintenant le message. Je me libère d'un poids, d'avoir fait certaines choses, d'avoir été ou d'avoir vécu des choses envers des gens où j'avais de la colère inconsciente. Mais ce moi nous dit, c'est comme une chance où tu vas pouvoir comprendre des choses en toi. Hein, c'est vraiment le centre. Tu vas retrouver un équilibre, tu vas comprendre, je vous l'ai dit, compréhension. Trouver une certaine sérénité avec le Bouddha, la méditation en vous pour aller vraiment vers du positif qui arrive pour vous au niveau sentimental. Donc il y a une certaine remise à zéro dans votre vie amoureuse. Vous voyez, c'est comme, voilà, par exemple le mois d'octobre, on finit des choses, on prend conscience, c'est difficile. Et en décembre, il y aura peut-être des nouvelles rencontres. En novembre, je dirais que c'est que vous cherchez l'amour véritable. C'est que vous avez besoin d'un pardon. On nous dit patienter. Et que c'est flou. Patience, méditation, sérénité. Toutes les mêmes cartes. Hein. Patienter. Bélier, quel message pour le mois de novembre 2021. Restez jusqu'au bout pour votre conseil. Bélier, pour le mois de novembre 2021. Bélier, le mois de novembre 2021, qu'est-ce qu'il y a en amour? Alors, vous avez eu un tirage sous la pluie. On va commencer dans ce sens. Les béliers en amour. Allez, on va rester de ce côté-là. La bienveillance, regardez, pardonnez-vous, encore une fois. Le pardon est très important ce mois-ci. Pardon, pardonnez à vos parents, à une ancienne relation. Je me confesse, je demande pardon. Être dans la bienveillance, pardonnez-vous et accueillir le pardon de l'autre. Bon, très clair, c'est important pour vous ce mois-ci. Parce que c'est comme je vous ai dit, grâce à ça, vous allez nettoyer des blocages pour pouvoir avancer sur des bases différentes dans votre vie amoureuse. Nettoyage de karma. Il y a un retour. Alors, est-ce que c'est un retour d'une situation où vous allez dire cette fois non, stop, je veux plus ça pour vous tester? Soit il y a un retour d'un ex, une relation du passé qui revient. Bon, moi, je dirais que... je ne sais pas s'il faudra pardonner à cette personne. Peut-être. Mais en tout cas, il y a une notion de pardonner à vos parents, à une relation passée. Peut-être, parce que là, on vous dit que, au final, réponse positive à votre question, un grand oui. Donc, c'est possible qu'une relation du passé revienne et il faudra lui pardonner ou elle va vous pardonner. Voilà. Ok, je vais quand même regarder le conseil des fées. Quel message conseil pour les béliers en amour, novembre 2021. Béliers en amour. Quel est le conseil? Oui, on nous parle bien de votre vie amoureuse. La base ou le problème de vos questions sera résolu par rapport à votre vie romantique qui est maintenant en train de changer. Il y a un grand changement pour le meilleur. Changing for the better. Ok. Grand changement ce mois de novembre. Peut-être un retour du passé auquel vous accordez votre pardon. Voilà, chers amis béliers, merci pour vos retours, vos gentils messages et je vous retrouve tout bientôt. Au revoir.